ça au Cauca. Et au Cauca, le sud davantage. Riva! Riva! Dimba, tout est. N'aime ça que nous. 5, 6, voire 10 dollars le litre. Oui, oui, ça. Tout le cambo. $1,000 pour la mer. Donc je m'appelle Joe Tundavanga, je suis réalisateur de Kinshasa. Et donc ici je suis venu présenter mon film Viva Riva, qui est un polar, qui est tourné à Kinshasa, qui est tourné en Lingala, qui est aussi le premier film depuis très longtemps. Et quelque part, je voulais en fait, à travers ce film, essayer de parler du Kinshasa que j'aime. Bon, bien sûr, on parle toujours du Congo, on parle de l'Afrique d'une certaine manière à travers les news et les informations. Mais je pense que c'est aussi important, malgré les conditions dans lesquelles on vit, c'est aussi important de raconter un peu ce qu'on connaît, ce qu'on voit. Et donc, c'est un peu ça l'histoire de Riva, dans le sens où j'ai pris le portrait de quelqu'un qui revient. C'est assez important de voyager. Quand on revient, on tombe amoureux, on retombe amoureux en fait des choses. Et bon voilà, c'est le Kinshasa de nuit, de la fête, aussi de la passion des relations entre mes femmes. Et puis c'est le Kinshasa de jour qui a ses problèmes d'infrastructure, de fonctionnement, mais aussi les relations humaines qui sont compliquées. Ce qui n'a signalé la barbe. Alors, par rapport au film, on vit une histoire assez, assez unique. En sens où, quand on a terminé le film, on l'a présenté, comme vous pouvez le voir ici, symbole, au Festival de Toronto. C'était en septembre 2010. Et donc, voilà, on a terminé le film, on est arrivé là tout seul, avec un juste film qui était sélectionné au festival. Et en fait, il y a eu un enthousiasme. C'est-à-dire que le public canadien, les distributeurs américains, enthousiasmés sur le film parce que tout d'un coup on a un film du Congo et puis c'était une histoire, même si c'était en Lingala, c'était quelque chose qui parlait aux gens. Donc on a commencé à vendre le pays, le film à plusieurs pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Zéland, le Canada, les grands pays anglophones. Et il était sélectionné aussi au festival de Berlin, vous voyez juste ici, au plus haut. Donc tout d'un coup, ça a pris des allures de conte de fées parce que à la sortie des films, il y avait toutes les diasporas. Qui venait soutenir le film. J'ai connu des moments fantastiques, notamment à Londres, je crois que c'était la plus grande projection qu'on a eue, parce qu'il y avait, je pense que les gens ont faim de matière, de culture. Donc pour ces premières fois, c'était assez magique. Et alors, on a gagné aussi les prix des African Movie Awards, qui sont un peu les Oscars africains. Et pour une première fois aussi, un pays francophone gagne de nombreux prix et des prix importants. Donc on a gagné 6 prix, dont le meilleur film, 2 prix pour les comédiens, 2 prix pour les techniciens, et puis j'ai gagné un prix le réalisateur, meilleur film. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Et ça continue. Je vais te faire mal. Une énorme satisfaction de voir d'abord comment il a été accueilli par les différentes communautés panafricaines. C'est aussi important d'avoir quelque part que les gens ne se disent pas qu'il a fait un film pour l'Occident, comme ça. C'est important qu'il y ait cette appropriation. Et ça a eu lieu, donc ça a été pour moi une grande fierté, puis une grande joie intérieure. Je reçois beaucoup de messages, les gens d'ici sont très fiers, qui sont heureux d'être représenté, donc c'est aussi l'occasion de leur dire merci, que j'écoute. Maintenant, pour la suite, j'espère pouvoir continuer à faire des films. J'espère aussi créer un lien avec un public, c'est important. C'est pas juste des films, il faut aussi que les gens se rendent compte que notre culture est importante, donc le cinéma est important aussi, et que les gens se mobilisent aussi. Un message comme tel. Je pense que ce que je voulais, s'il y a une chose qu'on peut retenir dans ce que je voulais dire, c'est que rien de bon ne sort de la misère.
de pauvreté. Donc voilà, c'est plutôt, on va dire, dans le côté conte de fées de l'histoire, c'est plutôt ça qui fonctionne.